Hey, halleluja, mich stellt ihr, que la gloire, que la louange, que l'adoration, te devienne, comme il était, comme il en est, et comme il en sera, maintenant, et pour des siècles, la résurrection est arrivée, la victoire éternelle est arrivée, la lumière est arrivée, la guérison. Mon frère, tu ne tomberas plus jamais malade, tu ne vas plus mourir, tu es entré dans le secret de la vie éternelle, tu as trouvé le trésor des grands prêts, tu as trouvé le Seigneur des Seigneurs, tu as trouvé celui qui donne le sens à toutes choses, à tout ce qui fait toutes choses. Il est le principe de la création de Dieu, c'est en lui que toute chose a un sens. S'il n'est pas dans la chose là, ça n'a pas de sens. Il veut ta bonté, il veut ta guérison, il veut ton bonheur. Il a les fleuves d'eau vive en toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il te donne son plan de guérison. Il va combattre la maladie. Il va te rendre inébranlable. Tu vas avoir une santé de fer. Jésus est arrivé. La gloire de Dieu est arrivée. Le principe de la création est arrivé ici. Il y a plus grand que ta vie. Ici, il y a plus grand que la vie qui t'a rendu malade. Ici, il y a plus grand que la vie qui t'a rendu malade, victime de la maladie, du péché qui est entré en toi et qui t'a affaibli et qui a engagé même la mort pour certaines personnes. Ici, il y a la solution. Ici, il y a la vérité de la guérison. Il y a la guérison, c'est-à-dire la vraie guérison, la vérité de la guérison qu'il te faut sur ta maladie. Ici, il y a la vérité de la prévention de la maladie qui t'attrape à tout moment. Tu tombes dans le péché, dans la maladie, tu perds la paix. Jésus est ici. La Bible nous dit qu'il est venu avec les fleuves d'eau vive qui vont déborder. Il dit que si quelqu'un croit en moi, bien-aimé dans le Seigneur, ta santé est montée, sa santé c'est Christ, ta santé c'est la liberté des enfants de Dieu. Il dit que si quelqu'un croit en moi et l'esprit de guérison, l'esprit de vérité nous a enseigné que si quelqu'un croit en moi, ça veut dire que si quelqu'un reçoit l'amour de moi, c'est-à-dire que l'amour de ma vie, l'amour de mon âme, il va m'aimer. Je suis la vérité, ma vie est la vraie vie, la vérité du remède, c'est-à-dire que le vrai remède pour ta santé se trouve dans le remède de la vérité. C'est la vérité qui a ton vrai remède. Alors, le vrai remède pour ta guérison, c'est-à-dire que pour ton bonheur, la guérison des nations qui sont incluses dans la nation de Dieu, Israël, le peuple de Dieu, l'assemblée des premiers et toutes les nations vont venir être guéries en Israël, parce que Israël sera la seule nation qui aura l'âme de la guérison, l'âme du vrai remède, la vérité, c'est-à-dire que le remède qui est vrai, la vérité du remède qui va guérir le monde, et dans la vérité, et dans le sang de la vérité, et c'est Christ qui l'a apporté. Alors, la solution dans le remède vrai, c'est le sang de Christ. Alors, si quelqu'un croit en moi, ça veut dire qu'il va d'abord aimer moi, la vérité, ma vie, ma nature, mon sang, qui est le sang de la guérison, de l'alliance, du rétablissement, le sang par lequel tu as la vie. Il dit que si quelqu'un croit en moi, il a la vie en abondance. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Donc, quand tu crois en la vie, en Jésus, qui dit moi, je suis la vie. Amen. Donc, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, c'est-à-dire que en la nouvelle vie que j'ai apportée, gloire à Dieu, alors, c'est-à-dire qu'il va d'abord aimer cette vie-là. Il va recevoir mon témoignage de ma paix, de ma vie, de ma santé. Je vais venir lui rendre le ministère de la santé de ma vie. C'est ma vie qui
qui a le remède de la santé, la vérité du remède qui va te guérir. Et dans ma vie, je suis le remède en toutes choses. Je suis je suis la vérité de toutes les réponses à toutes les questions. La réponse est vraie et dans mon sang. La réponse de la vérité à ton problème est dans le sang de la vérité et dans la vie de la vérité que j'ai moi-même apporté pour toutes les nations. Donc, il va venir avec sa vie pour te rendre ministère. Gloire à Dieu, Jésus va venir avec sa vie pour te rendre ministère. Donc, Jésus dit que si quelqu'un croit en moi, donc crois en moi qui suis la vie. Donc, il va venir d'abord, avant de croire, il faut qu'il y ait l'amour. Donc, c'est l'amour. La Bible dit que la foi qui est agissante par l'amour. Crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. On a vu. Donc, Jésus va d'abord venir se faire connaître à toi. Lui, il a dit que je suis la résurrection et je suis la vie. Donc, il va venir avec son sang dans lequel se trouve la vérité de sa guérison. C'est dans son sang. Il va venir avec sa vie qui est une vie de guérison, une vie de paix. Il va venir avec la vie à te rendre ministère. Il va te se révéler à toi au moyen de la parole vivante, la parole qui est vie et la parole qui est esprit. Il dit que ma parole est vie et esprit. La vie est dans le sang. Donc, il a le sang. Il a une nouvelle nature. Quand il arrive, il a un autre esprit qui est l'esprit de vérité. Quand il arrive, il te dit que tu étais ennemi de mon père. Alors, tu es entré dans la vie de la maladie. La vie qui n'a pas la paix avec Dieu est une vie qui ne va pas, est une vie malade, qui va mourir. C'est une vie de péché, qui connaît la maladie du péché et qui va mourir. Alors je viens avec la vie de la paix, la vie de l'amour, la vie de la bonté qui t'appelle à la repentance, la vie de la réconciliation. La Bible dit qu'il est notre paix, il est notre réconciliation. C'est lui qui vient te guérir, il te rend ministère, il dit que tes péchés te seront pardonnés. Le cœur qui pardonne va te mettre avec, en paix avec Dieu et va te mettre immédiatement en paix avec tout le monde. Il te rend ministère. Alors tu reçois, si tu l'aimes, tu reçois. Alors dans ton cœur, l'amour de Dieu, dans ton cœur. Et puis quand tu reçois l'amour de Dieu, automatiquement tu crois en cette vie, en la vie de la vérité. Tu as alors la foi en lui et la foi te justifie. Mais si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu ne peux pas avoir la foi. Donc il crie, il dit que voilà, sans la foi, il est impossible de lui être agréable pour recevoir son plan de guérison. C'est-à-dire que la paix avec tout le monde, la paix avec Dieu. Alors quand tu as reçu cette vie en toi, tu auras la foi en la vérité. C'est-à-dire qu'en la vie de la vérité, premièrement, tu la vis, tu l'expérimentes, que ce qu'il dit est vivant, ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit, tu as le témoignage immédiatement. Quand tu l'as reçu, tu es guéri, mon frère, de toute maladie, ton cœur a la paix, tu sais que tu es réconcilié avec Dieu, tu as reçu le cœur de la paix, le cœur de la réconciliation, tu es une nouvelle créature, le processus de la santé éternelle est engagé en toi. Donc, quand il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, il parle des fruits de l'esprit qui vont abonder. Les fleuves d'eau vive de l'amour vont couler en toi. Tu ne seras plus jamais malade. Tu n'auras plus jamais des problèmes d'inconstance avec le monde, avec, je veux dire, avec ton prochain et avec Dieu. Tu as la paix avec ton âme. Tu as la paix avec ta conscience. Tu as la paix avec ton esprit. Tu as la paix avec tes émotions. Tu as la paix avec tes pensées. Tu es un, réconcilié avec le Père. Tu as reçu la pensée de Christ. Tu as reçu le cœur de Christ. Tu as reçu les émotions de Christ. Tu es un avec tes visions que le Père t'a données. Tu les comprends bien. Tu ne crains rien. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut t'ébranler. Le Prince de Paix est arrivé. Tu as eu la foi. Il te donne les fleuves d'eau vive d'amour, les fleuves d'eau vive de paix, les fleuves d'eau vive de joie, les fleuves d'eau vive de patience. Il dit fleuve, hein? Il ne dit pas
que tu as un petit fruit de la patience et puis demain tu en colles un. Il dit que tu vas découvrir les fleuves d'eau vive de patience, les fleuves d'eau vive de la bonté, tellement bon. Il est riche en bonté, les fleuves d'eau vive vont déborder. Bien aimé, dans le Seigneur, il dit qu'il y aura la bénignité, les fleuves d'eau vive. Tu vas bénir fatigué, tu bénis sans penser que voilà, il va me dépasser ou bien si je le bénis plus, il va être au-dessus de moi. Non, les fleuves d'eau vive de bénignité, riches en bonté, les fleuves d'eau vive en fidélité, les fleuves d'eau vive à la douceur, les fleuves d'eau vive dans la tempérance, guérison complète, mon frère, dans ton âme, dans ton corps, dans ta pensée, dans ton esprit, dans tes rêves, harmonie, le prince du monde, le prince de la paix, le prince de la vie est venu, dont le Seigneur va aujourd'hui te faire comprendre qu'il veut que tu sois guéri. Alors, on va ouvrir ce chapitre aujourd'hui, là où on s'est arrêté, tu ne seras plus jamais malade. La maladie sur le plan spirituel, mon frère, c'est le péché qui va troubler ton âme, et après la maladie du péché, alors tu vas mourir, tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Beaucoup de chrétiens tombent malades à tous les coups. Dieu dit que la maladie est sortie, est terminée. Il va t'enseigner le processus, il va t'enseigner et aujourd'hui, il va te convaincre. On a vu que toute écriture, c'est-à-dire que la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu est utile pour t'enseigner, pour te convaincre et te corriger, c'est-à-dire te guérir. C'est-à-dire que si tu prends la correction, si tu prends les mesures de prévention, tu ne tomberas plus jamais malade. Tu ne vas plus perdre la paix avec Dieu. Tu ne perdras plus jamais la paix avec les hommes. Tu seras riche, mon frère. La fleuve, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive riche en vie. Tu comprends, riche en la nature du ciel que tu vas montrer sur la terre. Voilà la liberté, riche en liberté. Les fleuves d'eau vive de la liberté vont déborder en lui. Et il va régner dans le monde avec Christ. Il va marcher sur le monde. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. C'est la promesse de la vérité. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. La vérité là, est dans son sang. Si la vérité là, est fausse, ça veut dire qu'il n'existe pas. La vérité, c'est lui-même. C'est sa nature. Le ciel et la terre peuvent passer, vont passer. Mais la parole ne peut pas passer parce que Dieu ne passe pas. Il a donné la paix. Il a donné la gloire de la liberté. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, la gloire de la santé spirituelle. Mon frère, pourquoi tu vas tomber malade? Tu vois un chrétien, à chaque mot, on a parlé avec moi, le cœur commence à tourner. Oh, le pasteur est haut, il est comment? Le cœur commence à tourner. Les pensées commencent à venir, il n'est pas libre. Sa liberté, c'est le pasteur, ce n'est pas Dieu. Sa liberté, c'est une circonstance. Il n'a plus le travail, il n'a plus la paix, il n'est plus fort, il n'est plus souriant, il n'est plus riche en bonté, il n'est plus excellemment riche, il n'est plus dans les fleuves d'eau vive de la paix qui coule en lui. Il est tombé malade et bientôt il va mourir. Les murmures commencent parce qu'il n'a pas eu l'objet de sa convoitise. Il ne peut pas rester dans la santé de Dieu. On va jeter un coup d'œil ici dans la parole de Dieu et on va s'inspirer d'un frère qui va connaître la paix au début et qui va perdre sa paix, c'est-à-dire qui va tomber malade sur le point de mourir spirituellement. Et Dieu va l'aider comme il va t'aider aujourd'hui. Il va aider ce frère d'une manière spectaculaire. Il va l'aider dans la richesse de sa bonté. Il ne vient pas seulement pour se glorifier sur toi comme un docteur. Il est un docteur par excellence. Un docteur qui prévient. Un docteur qui enlève la maladie. Un docteur qui te prévient. Comment faire pour prévenir les mesures préventives pour que la maladie ne t'arrête plus et te montre comment la maladie là est entrée. Donc avant d'enlever la maladie, il va te rendre libre, bien-aimé, dans son enseignement. Il est fort pour enseigner. Il est tout puissant. Nul ne peut enseigner comme lui. Il est sage. Il a la vérité. Il a la réponse de la vérité de l'enseignement qu'il te fallait pour être libre. La vérité de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement qu'il te fallait pour être libre est dans le sang de la vérité. Il est dans son âme. Donc, il est incontournable. La vérité de la liberté des enfants de Dieu est dans le sang de la vérité, dans
la vie de la vérité, ses frères, va connaître, on va le regarder, il va tomber malade, Jésus va venir le guérir en esprit et en vérité et va lui rendre fort. Il ne va plus tomber dans les mêmes problèmes. Il va aller de gloire en gloire. Il s'appelle Josué, c'est un bien-aimé dans le Seigneur. Il va sortir pour aller quelque part conquérir. Dieu va l'appeler dans le plan de la guérison. Dieu va l'enseigner, voilà lui enseigner beaucoup de choses. Josué part en guerre ici. On voit d'abord où est sa maladie et puis on va rentrer voir comment sa maladie va commencer. Mon frère, cherchez la paix. La Bible dit, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit quelque chose sur cette maladie qu'on va regarder. Bien aimé, on n'est pas ici pour dormir. Tu dors dans ta pensée. Tu es sommeilleux. Tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Tu écoutes les mots. Tu es vagabond. Tu es errant. Que le Seigneur te ramène. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout mystère de la sorcellerie qui combat la vie de la parole. Nous les ramenons à l'obéissance. Et maintenant, reviens. Tu es en train de dormir. Tu es en train de rêver. Assois-toi sur ton lit pour écouter la parole de Dieu. Ne dis pas que tu vas écouter après. On parle ici de la source de la maladie. Avant que tu ne tombes malade, tu vas être en désaccord avec la santé, la vérité qui est ta santé. Et ensuite, tu vas être en désaccord automatiquement avec tes prochains. C'est clair. Ésaïe 59 nous parle du plan du conflit qui va apporter la maladie dans ton âme. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour te laisser dans la paix, pour que tu vives dans la sainteté. L'homme nouveau ne pêche pas. Il est dans la paix. Il est toujours en santé. Clair, dans son âme, il n'y a aucun virus du péché, aucun virus de maladie, aucune raison de murmurer le neuf. Il respire l'air du ciel. Il est dans la victoire. Jésus, la victoire vit. Sa victoire est vivante. Sa victoire n'est pas la lèvre. Sa victoire n'est pas des circonstances. Il ne change pas de victoire à partir des circonstances. Les circonstances ne le manipulent pas. Il lit bien la victoire à partir de la vie. Clair, clair. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre ta requête de la santé que tu demandes au Dieu vivant. La constance dans ton émotion, la constance, soyez toujours joyeux, nous dit la Bible, très clair, bénissez, ne maudissez pas, bénis avec la pensée, bénis avec le cœur, bénis avec l'âme, ne vous inquiétez de rien, alors voilà la santé de Dieu, rien, ne vous inquiétez de rien, ça ne vient pas de Dieu. Combien sont les chrétiens malades? Ils vivent dans l'inquiétude et sur le point de mourir. Si Jésus te trouve comme ça, ce n'est pas sa vie que tu as la vie de la maladie, une maladie contagieuse. La Bible dit que mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc on voit qu'il y a une inimitié. L'homme qui n'est pas en paix avec Dieu ne peut pas avoir la santé. Il ne peut pas avoir la paix avec les hommes. Il ne peut pas, parce que la vie de la santé, qui est la vie de la paix, ne peut venir que de Dieu seul, qui apporte l'harmonie partout, la paix dans tout ce que tu fais, dans la prédication, dans la louange, dans n'importe quoi, dans tes dons, tu as la paix. Le prince de la paix est arrivé. Il est la réconciliation. Il t'a mis en accord avec Dieu. Ici, l'Esprit nous montre qu'avant de tomber, avant de perdre ta paix, c'est avec les autres, quand tu remarques que dans ton cœur, tu remarques que dans ton âme, et tu n'as plus la paix, tu ne sais pas comment ça a commencé, l'Esprit t'aide que tu as péché contre ta vie qui est Christ et tu es rentré dans ta vie à toi. Tu as dit toi dedans. Ça veut dire que tu es entré dans le sang qui a le levain, dans la vie du mensonge, dans la vie de la mort qui commence son ministère par la maladie. Tu comprends? Alors le moi, la maladie en cachet dans le moi. Dieu a enfermé la maladie dans la chair, la maladie du péché, la maladie des murmures, des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements. Voilà, des raisonnements captifs. La maladie là est là-bas.
toute personne qui va rentrer pour vivre pour lui-même va du coup tomber malade, clair. Si tu me comprends, ici le Seigneur est en train de te montrer la raison pour laquelle tu n'as pas la paix, c'est-à-dire que tu es malade déjà, et ça a commencé comment? Il t'explique, aujourd'hui on va poser peut-être les fondements sur l'introduction, c'est-à-dire comment la maladie là a commencé, pour que tu saches et que prochainement, il ne commence plus vers ta direction. Il va venir, il marche avec toi, le moi, tu vas renoncer à toi-même. Celui qui me mange vivra par moi. Voilà, très clair. Ça veut dire que c'est ma vie qui a la paix. Si tu n'as pas ma vie, tu n'as pas la paix. Alors vous allez vous pécher. Tu vas mentir, tu vas voler, tu vas jalouser parce que tu n'as pas ma vie. Alors ton péché, ça veut dire que pour que tu sois guéri, il faut que tu comprennes d'abord que ce n'est pas chez Pauline. Ici, on va aller clairement. Regardons l'exemple dans la vie de notre ami Josué. Il est en guerre, il va perdre le combat contre Haï. Alors, Haï va le battre. Alors, il a perdu la paix, il est tombé dans la défaite et il veut chercher où est-ce que vient son problème. Il ne connaît pas Dieu, va l'aider. La Bible nous dit que Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous jurer, pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr? Oh, si nous étions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?» C'est-à-dire que Israël qui prêchait la sainteté, parce que la victoire, c'est la sainteté. Dieu va lui dire que lorsque tu marcheras dans ma parole, dans la vie de ma parole, tu auras la paix avec Dieu. Autrement, tu vas vaincre toutes les inimitiés que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tu vas rester dans le sang de la paix. Tu n'auras pas de problème dans ton âme. Tu n'auras pas de questions auxquelles tu ne peux pas répondre dans ton âme. Le cœur, là, va reposer dans la paix. Il n'y aura pas de maladie qui t'atteigne dans ton cœur que tu ne puisses guérir. Il n'y aura pas de fléau dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée, pendant ton sommeil, pendant ton repos, pendant les jours qui te restent à vivre sur la terre. Il n'y aura rien qui trouble ton âme. L'argent ne va pas troubler ton âme. Hey! Alléluia, mon frère. Et puis les choses du monde, l'école, le travail, les choses ne vont pas, rien ne va t'ébranler. Tu as la vie vivante, tu es resté dans mon alliance, tu es resté en accord avec moi. Je ne vis pas par la maison, je ne vis pas par l'argent, je ne vis pas par les choses. J'ai la vie, je suis la vie à moi-même. Si tu es en accord avec moi, tu vas avoir la victoire. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Ici, on voit Josué est dans un problème. Il a perdu la paix. Il a déchiré ses vêtements. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, il se couvrit la tête de poussière. Ah, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Les désirs de sexe m'ont arrêté. Je regardais une femme avant, je n'avais pas de désir. Maintenant, je regarde, mon cœur commence à tourner. Et j'étais d'abord bien avant, maintenant que j'attends quelqu'un d'autre avec peut-être un autre don comme moi, mon cœur commence à tourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que j'ai écouté telle chose, mon cœur est maintenant troublé. Je trouve en moi un esprit de concurrence qui a commencé à marcher dans mon âme. Hey, j'écoutais la parole de Dieu avant, mais maintenant, j'écoute la parole et ce que je vais comprendre, c'est savoir si le pasteur est de mon côté ou s'il n'est pas de mon côté. Je suis devenu sourd, je suis malade, je n'entends plus la vie de la passion pour la vie de Dieu, la soif des fleuves d'eau vive pour connaître la vie vivante et partir. Je suis resté sec. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Oh, Éternel, les gens du monde vont voir. Moi qui avais dit que j'ai la victoire, moi qui avais dit que Dieu m'a sanctifié, on va me trouver là-bas dans le péché. Oh, Éternel de grâce, que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu pour ton témoignage qui est vivant? Hey, la vérité, réponds-moi, donne-moi la sainteté constante, donne-moi la victoire constante, hey, donne-moi de marcher dans la
voix de la victoire devant le Père et devant les hommes. Prince du repos, reprends-moi. Prince vivant, ton grand nom, il a des cieux, de tous les noms. Prince vivant, tu m'as aidé à prier en disant avant d'aller en guerre, notre Père, mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que tu vas faire de ton grand nom si quelqu'un me gifle à gauche, à la joue gauche, et je commence à murmurer et à reprendre? Si quelqu'un prend ma tunique et je m'en vais, dit que rends-moi encore mon manteau, si je prête l'argent à quelqu'un, il ne me rend pas, et puis après, je m'en vais me quereller avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire de ton grand nom qui est dans le témoignage de la vérité, la sainteté? Oh mon Père, prends-moi de grâce. Je sens dans mon corps les démons. Je sens dans mes rêves les démons. Je sens dans mes visions les démons. Je sens dans ma chair les désirs d'orgueil, de cupidité, de gain. Mes pensées sont tournées vers le gain. Je planifie quand est-ce que je serai riche. Je ne planifie plus sur la richesse de la vie que le monde doit voir. Je ne planifie plus sur le chemin des fleuves d'eau vive que tu dois frayer dans le désert du pays où tu m'as mis, où les gens ont soif, ils ne savent pas où ils vont boire, où l'église a faim, ils ne savent pas où ils vont manger. Réponds-moi de grâce éternelle dans ton jugement, ta vie, tes voix, tes pensées. Réponds-moi, tu veux la victoire, tu veux Jésus en toi, tu veux être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, pas le genre de sanctification de l'homme naturel, pas le genre de victoire inconstante. Tu gagnes à Jéricho, après un petit truc te fait tomber les murmures. Tu as vaincu beaucoup de choses et tu arrives quelque part, c'est l'esprit de position qui te cherche. Tu perds la vocation de l'esprit de Dieu, l'objectif de Dieu. Tu ne sais plus comment vivre, revenir. Le Seigneur t'aidera, bien aimé, dans le Seigneur, il va aider ceux qui ont l'amour. Regardez, Josué dit que feras-tu pour ton grand nom? Quand Moïse intercède pour le peuple qui a péché, il dit que pardonne-les ton grand nom. Les Égyptiens vont dire que tu n'avais pas la puissance pour amener ce peuple au ciel. Hey, reprends-nous, la force n'est-elle pas en Christ? N'es-tu pas le seul vrai Dieu? Sanctifie-moi, guéris-moi, mon Père, la santé dans mes muscles, la santé dans ma pensée, la santé dans mon cœur, la santé dans mon âme, la santé dans mes rêves, la force constante, la force motrice. Fais-moi respirer l'air du ciel, fais-moi prendre mon envol dans la justice éternelle. Ceux qui espèrent en toi, ceux qui t'invoquent sont comme l'aigle qui prend son envol. Ils renouvellent leur force, ils vont de victoire en victoire. Comment moi, après avoir vaincu Jéricho, je viens tomber sur un petit ennemi d'orgueil, de murmure, de jalousie, de dispute? Oh Seigneur, de vaine gloire, de fausse prospérité, de crainte, alors de ma vie sur la terre, alors que tu es ma victoire. Réponds-moi, mon Père, je veux la force éternelle, la guérison, mon Père, dans ma vie, c'est toi qui es ma santé. Josué va revenir, il va tomber à genoux. David, lorsqu'il va aller combattre Goliath, il ne va pas dire qu'il est question de moi. Le moi ne doit pas être dedans. Il a appris par l'esprit que le péché ne peut pas venir, la maladie ne peut pas venir de Dieu. Alors, s'il y a eu une maladie en moi, et s'il y aura la maladie qui m'amènera à la défaite, parce que la maladie te rend faible au combat, tu ne pourras plus, quand tu as les murmures, tu ne peux plus être libre d'être conduit par l'esprit. C'est terminé. Tu es faible, même dans le monde physique. Quand tu es malade, tu ne peux pas produire physiquement. Tu es diminué. On te met à l'écart, très clair. Alors, il apprend que la maladie, la faiblesse est dans le moi, pas en le Seigneur. La force est en Christ. Si un jour j'ai eu les murmures, ça ne peut pas venir de Jésus. Si un jour j'ai péché, ça ne peut pas venir de Jésus. D'où vient mon péché? Mon péché vient du moi. Si un jour j'ai perdu le combat, ça ne peut pas venir de mon ennemi, qui est un homme comme moi.
de mon prochain, parce que la Bible veut que j'ai la paix avec Dieu pour avoir la paix avec les hommes. Or, la paix de Dieu va me imposer la paix avec les hommes. Je vais vaincre. Ils vont me gifler, je vais les pardonner. J'aurai toujours la paix conquérante. J'aurai toujours la santé. J'aurai les fleuves d'eau vive de la réconciliation pour réparer les brèches, pour rendre le pays habitable. D'où vient mon problème? Il faut que je sache où ça vient. Ce n'est non plus Haï. Ce n'est pas Haï, parce que la ville d'Haï qui va me battre, le démon là, ou bien quoi que ce soit, ou bien le frère là, avec qui je n'ai pas la paix, ou bien la sœur là, avec qui je n'ai pas plus la paix, et que je crains, ou bien je jalouse, ou bien avec qui j'ai des querelles, ou bien l'église là, ce n'est pas là-bas que mon problème est. D'où est venu mon problème? Si j'étais avec Dieu, c'est que Haï, la ville d'Haï qui m'a vaincu, maintenant aurait fait, n'aurait pas eu de victoire. Où est venue ma défaite? Ma défaite, c'est moi-même. Donc tu regardes d'abord en toi-même. Où est-ce que tu t'es déconnecté de Dieu? Amen. Où est-ce que tu t'es déconnecté du Seigneur Tout-Puissant? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es revenu vers toi. Tu as pris un pas en toi-même. Tu as regardé en toi-même. Tu as regardé ton intérêt quelque part. Tu as regardé à ton ambition, à ton projet. Tu es venu dans le sang de l'inimitié. Tu es marché contre le témoignage. Si quelqu'un veut me suivre dans la paix, dans la santé éternelle, dans la victoire constante, motrice, régulière, voilà, persévérer jusqu'à la fin, que cette personne marche entièrement dans la crucifixion de son moi, qui renonce complètement à lui-même, à sa propre vie, à tout ce qu'il possède, il ne tombera jamais malade parce qu'il vivra par moi. Quand quelqu'un rentre en lui-même, je le chasse. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu va chasser Adam et Ève du paradis. Ils sont rentrés à eux-mêmes. Ils se sont séparés de la vie de Dieu et ils se querellaient entre eux. L'homme dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Accusation. D'où viennent les accusations? C'est parce que vous n'êtes plus en paix avec votre vie, qui est la parole de Dieu, qui a dit que le jour où tu mangeras le pain qui a toi-même dedans, le jour où tu écouteras le conseil de la chair qui va venir avec toi-même dedans, tu n'as pas appris à écouter ma voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Beaucoup de gens n'ont pas la paix parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Dieu parle dans la lettre de la parole qui devient une lettre vivante. Dieu parle par ta pensée, la pensée de la parole qui est une pensée vivante. Dieu parle par ton âme qui est une âme vivante. Dieu parle par ton cœur, c'est-à-dire que par son cœur, par son âme, par sa pensée et par sa parole. Voilà ce que ça veut dire. Alors, tu dois le comprendre. Dieu parle dans le silence de sa parole. Tu dois comprendre la voix de Dieu, discerner, apprendre l'obéissance par la souffrance en crucifiant la vie qui est sensible, qui a les oreilles du monde, qui a les yeux du monde, qui comprend, qui voit mal. Dieu parle par la vue. Dieu parle par la vue du cœur qui est pur. C'est le cœur là qui voit Dieu. Dieu parle par les gestes que l'homme nouveau doit voir. L'intimité avec la vie, de la liberté, de la santé va t'enseigner au-delà de toute mesure. Bien-aimé, il va te parler ce que l'ennemi ne peut pas comprendre. Dieu va te parler pour que l'homme naturel ne comprenne rien de ce qu'il est en train de dire. Tu dois apprendre. Orgueilleux, répands-toi. Tu ne comprends rien de Dieu, tu ne connais rien, tu n'es pas Dieu. Il donne, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Donc apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. Quelqu'un qui va avoir la santé permanente, c'est-à-dire que la victoire constante et permanente est humble, est foncièrement humble. Ça veut dire qu'il a l'amour de la vérité. La vérité ne recherche pas son intérêt. L'amour ne recherche pas son intérêt. C'est la santé éternelle. C'est l'intérêt de Christ qui te remettra sur le chemin de la vérité. La parole qui va bouger Dieu, c'est ceux qui cherchent la gloire de Dieu. Moïse dit, que feras-tu pour ton grand nom? Josué dit, que feras-tu pour ton grand nom? David dit à Goliath que tu as défié le nom du Dieu d'Israël et devait te montrer que sur toute la terre, il n'y a aucun autre Dieu
qu'en Israël, c'est au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, en la vie de Jésus, en la prédication de Jésus, en la prophétie de Jésus, en la bonté de Jésus, en la paix de Jésus, en la justice de Jésus, qui est la vérité, que je marche contre toi, que je prêche cette vie, que je choisis cette vie, que je renonce à moi-même pour moi vivre si Christ ne me parle plus jamais de moi-même. Moi-même, c'est l'inimitié. L'Esprit nous a dit, lors de l'autre dernier enseignement, l'Esprit a montré clairement que quand tu auras le conflit, le manque de paix, c'est que tu es revenu vers toi-même. Et après, tu ne vas plus savoir. Le diable va te mentir pour rechercher la santé. Il va te tromper. Il va te faire chercher la santé et le rétablissement de ta santé dans toi-même, dans les choses, dans la mauvaise direction. Tu vois, il va commencer à te dire que c'est Aïe, Aïe un secret là-bas. Alors que Aïe, ou bien alors le frère là ou la soeur là, ce n'est pas ça qui est l'origine de ton problème. Ton problème, c'est que tu as d'abord péché contre Jésus qui devait être ton vrai moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Donc avant d'aller te faire vaincre par le frère ou la soeur, c'est-à-dire que tu pars là-bas pour faire quelque chose, mais tu sors avec la vie de péché. Le premier péché, c'est que tu as péché contre celui qui est. Il dit que je suis. Alors tu as dit que c'est toi qui es dans ton cœur, dans ton âme. Tu as cherché ton intérêt, tu as voulu gagner. Je n'ai personne ici, dit Paul, qui prend sincèrement que votre situation, mais tous cherchent leur intérêt et non les intérêts de Christ. De telles personnes resteront malades. Paul va dire aux Corinthiens qu'un grand nombre d'entre vous est malade, est mort. Vous ne pouvez pas être en santé. Vous buvez indignement le corps, le sang de Christ. Vous buvez le sang de Christ pour devenir avec le moi dedans. Le sang là, mon frère, vous avez, ça se garde quand ça trouve le moi. Si quelqu'un veut boire mon sang, veut boire ma vie, veut boire ma force, veut boire ma santé, qui renonce à lui-même, qui ne voit jamais lui-même dans ce que je l'envoie de faire dans sa vie, qu'il soit inconscient de sa conscience. Alors, qu'il soit inconscient de sa conscience dans les choses de lui-même, inconscient de l'homme nouveau, il est dans la conscience de Dieu, la liberté à la conscience du péché donné par le sang de l'Alliance. Donc tu ne penses plus, tu n'es plus dans ça comme un enfant qui n'est pas conscient du mot du mal. Il est libéré, il est dans la conscience de Dieu et qui fait qu'il soit inconscient dans le péché. Il a été libéré, il est plus conscient de Dieu, de la gloire de Dieu, qui n'est conscient de lui-même. Il ne recherche pas sa gloire dans le combat, il ne prie pas pour lui-même, il prie pour la gloire de son maître. L'amour l'anime, il a la foi qu'il faut, l'amour, la vérité va venir à lui pour lui montrer le chemin, comment sortir de ce précipice là où il est entré. On parle de quelqu'un qui est tombé malade et que Jésus va venir pour guérir. Il te montre comment la maladie est entrée pour que tu ne partes plus manger ce qui n'est pas bien. Le poison est tombé malade encore. Demain, il va t'enseigner où la maladie là est venue dans ton âme. C'est venu par le moi. Tu es quelque part, tu as regardé à toi-même. Regardons le cas de Josué qui est parti lutter contre Aïe, et puis Dieu lui dit que c'est venu de toi-même. La Bible dit au verset 1, les enfants d'Israël ont commis une infidélité au sujet des choses dévorées, pas interdites. Alors ici, ils ont péché. On dit enfants d'Israël, j'ai expliqué ça la fois dernière. Enfants d'Israël, c'est une personne qui avait péché. Alors la personne a péché et Dieu dit que vous êtes membres les uns les autres, vous êtes un corps. Donc si un membre a mal, tout le corps a mal. Si un membre est en santé, tout le corps devait être en santé, dans le sens que alors la vie de ce corps devait être acceptée, c'est-à-dire que celui qui est dans la sainteté alors peut sanctifier toute une multitude, parce qu'il est avec la tête du corps, qui est Jésus lui-même. Ici les enfants s'ils vont pécher, alors il y a une personne qui a péché. Dieu dit que 700 000 personnes vont être vaincus. C'est le symbole d'une petite chose qui peut être en toi et qui fait que tout ton corps est souillé. Ça peut être un petit truc, un petit démon dit-on,
que tu aimes beaucoup les enfants, ou bien le mariage, ou bien la position, ou bien ta vie, ou bien la nationalité à l'étranger, n'importe quoi là-bas, ou bien n'importe quoi, où tu te glorifies, et tu ne te glorifies pas, si Christ, l'orgueil, un petit truc qui est entré, tu dis que tu connais prêcher, tu dis que quand on prêche, on dit que les paroles-là ne font que venir, hein. Vraiment, Dieu avait lui, tu t'en es enorgueilli, que les paroles viennent, et tu as méprisé la nature de la vie qui porte la prédication. Tu es tombé dans l'orgueil. La petite chose là va amener que Dieu se retire de toi. Terminé. Tu n'as plus la peine. Les démons commencent à monter sur ta tête, sur ton corps, sur ton cœur. Tu ne sais pas où c'est venu. Ça peut être que tu as consacré ta vie à Dieu. Tu dis que moi, je ne veux plus entrer dans le mariage. Moi, je ne veux plus entrer dans telle chose. Après, tu rentres là-bas pour dire que non. Pourquoi? Alors, tu es revenu de ta consécration. Tu as regardé derrière. Alors maintenant, les démons là sont entrés. Tu as écouté la voix d'un démon inconsciemment. Il est entré parce qu'il a trouvé le moi. Tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu. Alors il y a des gens qui écoutent la voix de Satan. Satan les conduit dans le péché. Et ils croient que c'était Dieu. Le levain est dans ce qu'ils ont écouté. La clé, c'est que mon fils, renonce à toi-même. Ne prends jamais une parole qui veut t'élever à moi. Donc le conflit de ta mort ou bien le conflit de qui apporte la maladie dans ton cœur, c'est quand tu regardes à toi-même. Ça veut dire que le diable a montré ton intérêt quelque part dans la chose là. Alors il est entré en toi, tu n'auras plus la paix. Et une fois que c'est comme ça, tu perds la paix avec moi. Alors tu dis que c'est toi qui dois régner. Tu me mets derrière. Oh, ma vie devait faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Tu ne devais pas être dedans. Quand j'ai mis mon sang sur les enfants d'Israël, avant de sortir du pays d'Égypte, je leur ai dit qu'il n'y aura pas de levain dans ton territoire et que tout premier-né m'appartient. Je suis premier en toutes choses. La paix du premier-né, voilà, de Dieu. Il est notre alliance. On a eu la paix en lui. C'est en lui qu'on a été réconcilié avec Dieu et c'est en lui qu'on a la santé véritable. S'il n'est pas le premier en toutes choses, je dis en toutes choses, en toutes choses, je dis bien, écoute bien, si ce n'est pas pour lui que tu es sur la terre, et quand tu es sur la terre pour une autre chose, bien aimé, l'alliance de la paix va mourir et tu vas tomber, et tu ne vas plus savoir que pour ressortir de là, il faut que tu donnes à Jésus le droit de naître dans ta vie, la gloire dans ta vie, que tu renonces à toi-même. C'est le seul moyen de sortir de cette maladie et de prévenir cette maladie d'entrer, pas de moi. Tu prends la vie de Jésus Christ, Christ crucifié, rien d'autre. Tu ne veux pas ton plan, tu ne veux pas ton agenda, tu ne veux pas de ministère, tu ne veux pas de don pour toi. Tout ce que tu as, tu vis pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Voilà ton premier problème où tu vas rentrer. Donc Christ doit revenir, la réconciliation d'abord avec Dieu. Regardons ici, Josué a péché, Israël a péché. Il y a un petit quelque chose qui est entré en toi et qui a mis l'orgueil en toi et tu ne vois pas comment c'est entré. Il faut que Dieu t'aide, il fait grâce aux humbles. Tu vas rentrer dans le jeûne, dans la prière, écouter le ministère de la parole, la réponse de la parole, qui a le médicament de ta guérison, va être dans la parole que tu écoutes. L'esprit va prendre ce qu'il te faut avec le cœur humble, il va te dire, regarde en toi-même, voici où ton problème est entré. Tu as voulu sécuriser quelque chose pour demain. Avec moi, on ne sécurise rien dans le moi, je suis ton demain. Demain est en moi. Ne me parle pas de demain. Je suis ton demain. Je marche avec toi dans le maintenant. Ici, les enfants d'Israël ont péché. Alors, on regarde, Dieu avait promis, avait dit à Josué le secret de la santé. Il lui a promis quelque chose, la santé éternelle, comme il est en train de te promettre aujourd'hui. Voilà très clair. Il lui a dit ceci clairement. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Très clairement. Donc c'est comme ça que Dieu parle à Josué. Il lui dit que fortifie-toi, tu auras la victoire partout où tu vas partir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai
avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, comme j'étais avec, comme j'ai vécu comme Jésus. La vie que tu as, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus. Il n'a pas péché, il a fait ma volonté à 100%. Celui qui me mange vivra par moi. Fortifie-toi et prends courage. Voilà très clair. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon ce que t'a prescrit le Seigneur Jésus. Que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Clair. Et Jésus qui a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Très clair. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la vie de Jésus jour et nuit pour agir fidèlement selon la vérité. Clair. Dans ta vie, alors tu réussiras dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi dans la force du sang de Jésus. Fortifie-toi dans l'amour de la nature de Jésus. Fortifie-toi avec la force de la consécration au sang de Jésus. Fortifie-toi avec l'amour que Jésus a eu pour toi. Il s'est sanctifié lui-même pour toi. Il a aimé le Père pour te donner le pouvoir d'aimer le Père. Reçois l'amour de la consécration à la vie de Dieu. Renonce à toi-même. Aveugle-toi en toi. Même ne te vois plus jamais. Fortifie-toi dans la déclaration de la vérité qui dit que je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui voyaient l'ennemi qui est dans le moi et qui signaient une alliance avec lui par crainte de leur vie sur la terre, qu'ils ne le voient plus. Je l'ai frappé à mort. J'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Plus de moi, ton ennemi c'est le moi. Il va venir te mettre en une inimitié entre toi et moi, et moi je suis ta victoire. Josué, tu vas tomber si je suis plus numéro un. Si ce n'est plus moi que tu manges, si tu ne vis plus par moi, si tu ne vis plus pour moi, alors ta défaite est sûre, ta défaite est claire, ta maladie est certaine. Une fois que tu as perdu, tu ne vis plus par moi, tu n'auras plus la paix dans ta pensée, dans ta conscience, dans ton cœur. Et puis, envers ton frère, tu n'auras pas la victoire de la paix. Avec lui, tu vas tomber dans la discorde, dans l'inimitié, dans les problèmes, dans les querelles, dans les divisions. Tu seras séparé. Voilà, la division est là-bas. Tu ne peux plus garder mon commandement. Aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, apprendre à vivre par ma pensée, pas par ta pensée. Si tu as pris ta pensée, le diable t'a parlé par ta pensée et il a ta pensée. Tu l'as accepté parce qu'il y avait un moi dedans et c'était agréable pour te donner, pour te faire devenir, pour me détrôner de ton cœur. Alors tu es tombé dans la défaite parce que je suis ta victoire. Quand je quitte, c'est la défaite pour toi. Si tu vis par toi-même, tu vas être vaincu. Si tu rentres penser pour toi-même, tu n'auras jamais ma paix, ma santé, ma victoire. Ma santé, c'est ma sanctification sans laquelle personne ne verra la victoire. Et tu vas murmurer, je t'ai donné ma paix. Ma paix, c'est ma vie, c'est ma victoire. Tu ne craindras rien, nul ne tiendra devant toi. Aucun péché ne troublera, ne pourra t'atteindre. Tu marcheras dans la sainteté. La victoire, c'est dans la vie de Jésus. Donc tu renonces complètement à toi-même. Ici, on voit clairement qu'ils vont pécher un petit quelque chose. Le peuple va convoiter. On voit, il va regarder quelque chose. Acan, la petite chose que tu as convoité. La Bible dit que Acan va dire qu'il a convoité. Dieu lui montre comment la petite chose là est entrée en toi. Tu as convoité. Tu as peut-être eu la victoire avec Jéricho. Alors tu as vu la gloire qu'on t'a donnée, la gloire qu'on m'a donnée là-bas. Et puis toi, la chair a vu ça. La chair a jalousé. Que regarde quelle force, regarde quelle puissance, regarde quelle onction, regarde quelle liberté, bien-aimé dans le Seigneur. Il entre dans le bar des danseuses. Il n'a pas excité. Il n'a rien qui le tente. Il regarde les femmes nues. Il ne rien ne bouge. Il ne voit pas. Il est aveuglé. Il est comme Adam et Ève qui regardaient une femme nue et puis n'avait pas connaissance. Il n'a pas conscience de l'âme du péché, de la nudité. Ça n'agit pas en lui. Regarde quelle liberté. Il voit les gens qui sont mal habillés, ça ne lui dit rien. Il voit les belles maisons, il n'a pas conscience de l'âme des belles maisons. Ça ne lui fait absolument
n'attends rien. Regarde quelle liberté les gens donnent la louange au témoin de Dieu. Après, tu écoutes ça, tu convoites, la chair prend un peu de satisfaction là-bas, et dorénavant, c'est ça que tu veux montrer. Tu es tombé dans l'orgueil. Tu as pris la gloire de Dieu. Tu n'aimes plus la vie de Dieu. La vie de Dieu ne cherche pas la louange des hommes. La Bible dit que la vie de la paix qui a été manifestée dans le monde ne tirait pas témoignage des gens et ne recevait pas ce qui vient de l'homme parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il dit que moi je reçois mon témoignage de Dieu. L'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand il rend témoignage, j'ai la paix. Je n'ai pas de troubles, je n'ai pas de tumulte. Tu viens vers moi, c'est avec la paix que tu ressors. Tu viens étant agité, étant dans tes tumultes, tu rentres avec la paix. La parole de la paix est dans mon âme, est dans mon cœur, est dans ma pensée, est dans ma conscience. Impossible de troubler ma paix parce que c'est Christ qui vient en moi. Donc on voit là la force de la paix de Dieu, la loi de l'esprit de vie qui te libère. Ici, Josué a vaincu Haï. Il va tomber dans l'orgueil. Il a vaincu Jéricho d'abord, la grande ville. Et puis il croit que la force de Dieu, la force qui a vaincu le démon. Regarde, Jéricho est un ennemi plus fort qu'un démon de haut rang et que par rapport au démon d'Haï. Ça veut dire que le démon qui contrôlait la ville de Jéricho avait une autorité terrible, voilà, plus que le démon qui combattait la ville d'Haï. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la force de Dieu qui a vaincu le démon de Jéricho qui va vaincre le petit démon d'Haï. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en toi qui peut vaincre un petit démon. Le démon de mensonge, le démon de convoitise, le démon de vol. La Bible dit que celui qui vole un œuf va voler un bœuf. Ils sont là-bas. La Bible, le diable, quand on a écouté le témoignage clair de Satan, ruse de Satan contre l'Église, il a dit que amène-les dans le péché, ne comptez pas sur les gros péchés. Tu vois, les gros péchés là ne font pas l'affaire, comme l'adultère. Un petit nombre de personnes seulement commettent de tels péchés. Après même, ils se repentent et ils rejoignent l'armée de Dieu et le pardon de mon ennemi et ils ont la paix avec Dieu après. Compte sur les petits péchés comme le manque de pardon, la gourmandise, la jalousie, le manque d'amour, le manque de prière, des péchés comme ça. Ils ne semblent pas être convaincus des péchés quand ils commettent de tels petits péchés, mais ces petits péchés causent la ruine. Ils disent, vois-tu, on veut les détruire. Regarde Josué, il va aller attaquer Haï, il va mépriser, on va lui dire quelque chose. Regardez, il vient de la grande victoire, il a vaincu tout, il n'a plus de désir, il est parti. On va lui dire quelque chose, que prends garde, l'orgueil est là-bas, prends garde, écoute les gens pour écouter leur avis. Il commence à utiliser une connaissance pour se justifier. La Bible dit Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Even, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et les hommes allaient et montaient. Et ils firent ce rapport à Josué. Ils lui dirent, oh, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Voilà, ne donne pas la peine, cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre, l'orgueil. Un ennemi terrible à voir. Il croit que c'est la force de la chair qui avait gagné Jéricho. Il croit que c'est la force de la chair qui a enlevé le démon de haine. Ou bien qui a enlevé le gros démon qui t'avait arrêté. Tu étais alcoolique, tu buvais la cigarette, tu fumais la cigarette, tu as fait toutes les choses, tu voulais qu'on te voie. Et tout ça là, mon frère, un petit démon peut te terrasser là-bas devant. Les démons là sont contrôlés par le même esprit. Ils vivent par la chair. Tu n'es pas capable. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'orgueil va te faire croire que tu es capable de faire la moindre chose. Et là, la chose là, tu ne vas pas consulter l'Éternel. Le moi va monter. Josué va commettre, il va entrer dans la, il va être victime de l'orgueil. Il ne va plus consulter l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne va plus méditer la vie de la victoire, la vie du Seigneur. Il va se détacher. L'amour pour le Seigneur va partir. Il va s'attacher à la gloire des hommes.
on conseille des gens. Les gens qui tombent deviennent plus proches des gens qui ne sont proches de Dieu. Il est plus conscient d'un conseil qui vient de la chair que d'un conseil qui vient de l'Esprit de Dieu. Dans son cœur, il avance vers la mort. Il est tombé. Il est tombé dans la maladie. Il ne voit pas comment les étrangers à la vie de Dieu suivent sa force. Il ne sait pas. Il a un gâteau qui n'est pas retourné à la poêle. Il a seulement un côté, il ne voit pas l'autre côté. Que Dieu t'aide, bien-aimé, à chercher la victoire avec Dieu et la victoire avec les hommes. Il est parti en lui-même. C'est terminé. Il va avancer dans l'orgueil. Il ne va pas consulter l'Éternel alors qu'il devait consulter l'Éternel avant d'avancer. Il devait être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne te conduit pas dans la défaite. L'Esprit de Dieu te conduit dans la victoire. Quand la petite chose là qui apportera la maladie dans ton âme entre, tu ne dépends plus de Dieu. Tu quittes l'église. Tu connais beaucoup. Tu veux être pasteur, prophète, missionnaire. Tu trouves les fautes partout. Dieu n'est plus rien. C'est ton agenda qui compte. Très clair. Tu mets ta confiance sur tes dons. Tu mets ta confiance sur l'expérience passée. Jésus, la force de Dieu n'est pas une expérience passée. C'est une expérience présente. C'est une expérience constante. C'est la force d'aujourd'hui contre le démon d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'hier. Bien-aimé, tu vois, tu n'as plus soif de la parole. La parole n'entre plus en toi profondément. Tu ne sais plus Dieu du cœur. Josué est l'image des personnes qui partent faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus le cœur qui les parle. C'est les gens qui les parlent par dehors. Les gens qui écoutent ce que d'autres disent pour répondre. Et ce n'est plus la parole qui le conduit. C'est maintenant un arrangement entre les gens qui viennent avec une conscience étrangère de la parole de Dieu et qui copient l'apparence de la victoire de la vérité et qui te rendent ministère. Tu crois qu'ils sont avec toi alors qu'ils t'éloignent du premier amour de la vie de Dieu. Tu passes plus de temps avec eux et tu n'as plus le temps de travailler la soif des fleuves d'eau vive qui doivent couler où Dieu veut t'envoyer, où les gens ont soif de voir la lumière, ont soif d'être libérés, où Haïti t'attend, aller prêcher, s'apporter la vie, s'apporter les fleuves d'eau vive aux autres. Toi-même, tu n'es plus avec la soif d'eau vive. Tu vas aller aider qui? Tu es tombé, tu es parti de la grâce de Dieu. L'orgueil t'a égaré. Vous avez pris la victoire de Dieu entre vous. Vous avez parlé des souvenirs, des bons moments de Dieu. Vous avez oublié que c'est la vie vivante qui porte la gloire de Dieu. Et vous êtes rentré dans votre chair. Vous avez une union qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais qui vient d'un souvenir, d'une victoire quelconque. Mais la réalité pratique n'est pas là-bas. Bientôt, il y aura la division. Bientôt, il y aura le découragement. Quand Haï va vous battre, il y aura le découragement. Tu vas voir la personne là qui disait que moi, je suis déterminé. Il commence à reculer. Il a peur. Où est partie votre force? Où est partie la première détermination? Vous avez manqué à aimer Dieu de tout votre cœur. Le sacrificateur Josué n'est pas venu en force. Il dit que victoire d'hier ou pas, je veux la vie vainqueur, je veux la vie de Dieu, je veux la paix ici, la paix profonde. C'est-à-dire que quand tu as la paix profonde, tu ne bronches pas. La Bible dit que si quelqu'un peut tenir tout son corps en bride, il est un homme parfait. Il ne bronche pas pour prendre une décision sans que Dieu ne soit là-bas. Vous voyez les gens, avant de tomber, il était avec les frères, il était là, il faisait, après il se lève, il dit que moi je m'avais fait un séminaire là-bas, moi je m'avais fait un programme là-bas, il y a le trouble, Jésus n'est plus la tête, il y a le trouble partout, on dit qu'il y a un programme ici, il dit que non, lui il a un autre programme de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit, c'est la rébellion. Demain, il n'y a plus de victoire, il a laissé Jésus, il va te dire qu'il n'y a pas que Dieu là-bas. Dieu est dans, Dieu a une position pour toi, pour le combat. Dieu a un temps pour toi, pour le combat. Là où il t'a mis, ne bronche pas, ne t'élève pas, c'est la défaite. Bien-aimé, et tu as perdu la peur. Et tu es là-bas en train de faire comme tu veux gagner. Que te servirait-il d'aller évangéliser, d'aller prophétiser, d'amasser la foule, si toi-même, tu n'es pas sauvé de la peur, du tumulte qui est dans ton âme? Que te servirait-il d'aller vouloir guérir les autres, alors que toi-même, tu as une maladie contagieuse? Bien-aimé,
bien-aimé dans le Seigneur t'aide aujourd'hui à comprendre les portes ouvertes dans ta vie où les choses là entrent. Josué va dire que allez combattre. Alors, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est lui-même, c'est sa gloire, c'est ses conseillers, c'est sa chair, c'est le mensonge, c'est l'orgueil qu'il envoie là-bas. Il a des problèmes avec Dieu déjà depuis longtemps. Il croit que c'est Haï, le démon. Après, on lui dit que c'est Haï qui a fait comme ça. La stratégie du combat n'était pas bien. Ce n'est pas la stratégie qui t'avait donné la victoire avant. Ce n'est pas l'entraînement qui t'avait donné la victoire avant. C'était la vie de Jésus, simple, dans le repos et dans le calme. Que sera ta victoire? Que sera ta force? Tu n'as pas écouté. Tu es dans beaucoup d'activités. Repose-toi. Mange la chair de Christ. Bois son sang. Tu ne tomberas plus malade. Lève-toi pour parler au Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Parle à Dieu. Lève-toi. C'est le moment de prier. C'est le moment d'appeler le Seigneur, le roi de gloire, qu'il ait pitié de toi. En ce temps de la fin terrible, où tu, après avoir tout surmonté, tu peux tomber à la moindre chose. Prie Dieu. Est-ce que la vie parle en toi? Est-ce que c'est les pensées? Est-ce que c'est la lettre de bon moi? On m'a tendu des pièges sur le chemin où j'avance. Réponds-moi par la vie, près Dieu, expérience personnelle, quotidienne, constante avec Dieu, à tout heure, à tout moment, rien n'entre dans ton cœur. Tu n'écoutes aucun conseil. Les gens qui vont te dire qu'on va faire comme ça, et tu quittes de la direction où Dieu t'a mise. Tu étais dans une église, Dieu met un pasteur là-bas pour te diriger, comme pour t'aider. Tu te lèves avec l'orgueil. Tu dis que moi aussi j'ai l'onction, non? Dieu me parle dans mon cœur, non? Mon frère, ma soeur, Christ n'est pas divisé. Il t'a mis dans une place et il y a la tête qui est là-bas. C'est lui qui fait avancer son corps. Si tu sors du corps là, l'orgueil t'a pris. Tu es parti dans un autre. Est-ce qu'il y a seulement Dieu à la vie éternelle? Il y a aussi Dieu partout, non? Tu pars là-bas, bien-aimé, c'était ton orgueil. C'est toi qui es parti là-bas avec ton arrogance. Tu es tombé. Le diable est entré où? Où est-ce que tu as perdu ta santé? Où est-ce que tu as perdu ta paix, ambition personnelle? Tu es parti, ce n'est plus Jésus qui dirige Israël, c'est maintenant toi, Josué, avec tes gens. Voilà très clair, les super hommes, que Dieu t'aide, bien-aimé, mets-toi à genoux, cherche la vie de Dieu, ne perds pas trop de temps à parler aux gens que Dieu a utilisés. Prends le temps pour chercher la vie qui utilise les gens. Cherche la vie de Dieu, que rien ne te distrait. Tu vas vaincre l'ennemi. Il rôde autour pour te rendre malade, pour te rendre faible. Parle à Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. La plénitude de Christ, tu veux les fleuves d'eau vive de la victoire en toi, pour que jamais ta victoire ne t'arrête. Réponds-moi, tu as promis, tu ne manges jamais, on est en prière, que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive de la victoire vont couler en son sein. Mon temps est fini, parle à Dieu. Mon temps est fini, bien-aimé dans le Seigneur, parle à Dieu. Que Jésus te réponde, que le prince de la vie te délivre. Dis-lui que ton grand nom, oh Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, toi qui es saint, hey, justifie-moi de reconnaître les fleuves d'eau vive de la victoire constante qui ne tarissent pas. Merci Jésus.